La vidéo commence. On n'a pas pu faire de plan de GoPro parce qu'on n'a pas été autorisé à mettre la GoPro. Du coup, vous n'aurez pas de plan de GoPro et voilà. Salut les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog. On va à Saint-Brieuc en Bretagne. Du coup, là on a 5 heures de route à peu près, même un peu plus. Moi je vous donne rendez-vous là-bas et puis à tout à l'heure. Parti de Paris, donc au final on n'a rien acheté, on n'a pas fait les magasins, il y avait trop de monde, il pleuvait et quand on est reparti on n'avait pas de parapluie, rien. Ça dépense. Au final, on s'est arrêté à Rennes, on a fait quelques courses, on a acheté quelques trucs chez Nike, etc. Et là, on part pour Saint-Brieuc avec beaucoup de retard. Je sais pas si on va arriver à 17h, au final, on va arriver à 19h. Donc, on va même pas aller à la mer et tout, je suis trop déçu. Et du coup, nous, on se retrouve là-bas. Bon, final, on est arrivé à la mer. Bon, c'est la Bretagne, hein, c'est quand même beau, hein. Il y a une petite file et tout, c'est pas mal. Gapard, il y a beaucoup de vent. Mais la mer en Bretagne, c'est super bizarre leur plage. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais les plages elles sont super sales et on peut presque pas marcher. Sinon c'est un beau pays ça. Bon, au rang des essais, ça s'est plutôt bien passé pour Diamond. Bah ouais, ça s'est plutôt bien passé, j'ai découvert une piste que je connaissais pas du tout. C'est vraiment un beau circuit, grosse montée, grosse descente, un vrai vrai circuit. Et je fais 5 aux essais libres, bon, après ça reste que des essais libres, mais bon c'est toujours pas mal. Et puis voilà les chronos dans 45 minutes, donc on verra ce que ça va donner. Jagu, le numéro 83, le numéro 31, Malaval, avec le numéro 3, joue quelques millions de... J'ai demandé au service de rejoindre, je vais intervenir. Alors on a
13 949 pour Julien Jadot qui roule là avec la moto qui lui a servi au Dakar. On a toujours cette petite seconde de différence entre Boublion et Guillon. À une prime de 50 euros, 5 secondes, top! Les chronos ont été finis ce matin, puis là la première manche elle vient d'être terminée. Franchement c'est une bonne manche, hein, t'en pensais quoi? Ouais, bah je fais 7 au chrono, donc c'était pas mal parce qu'il y a un bon plateau. Et en première manche je fais un bon départ, je sors 2 ou 3 et je passe 4 et il y a une petite chute donc je finis 3ème, donc franchement une bonne manche, des bonnes sensations sur la moto, donc il en reste 2, on va essayer de faire 2 bons départs et puis voilà, ça sera une bonne journée. Quatrième Bourdon, cinquième Martens, sixième on retrouve Tom Guillon, septième Herbreto, et Pierre Dupillon qui a gratté quelques mètres par rapport à l'été.
dans deux semaines. J'espère vous voir nombreux, c'est mon club. C'est près de la maison, donc voilà. J'espère que Dan sera là. Et le club est déjà en train de faire du gros boulot sur la piste. Donc, on se donne rendez-vous là-bas.